Épreuve pour tous. Initiation à l'épreuve biblique. Une émission présentée par... Shalom, bienvenue dans cette émission Hébreu pour tous et merci pour votre choix. Nous en sommes déjà aux saisons 2 et je rappelle qu'il y a eu déjà 5 vidéos qui nous introduit dans l'alphabet hébreu, dans les règles de vocalisation et aussi dans les règles de ponctuation masorétique. N'hésitez pas alors à consulter ces vidéos qui sont déjà disponibles, gratuites, brefs et concis. Maintenant, nous allons entamer sur notre généralité concernant la Bible hébraïque. Dans cette séance, nous allons voir comment la Bible hébraïque, plus particulièrement les livres de l'Ancien Testament, comment ils sont organisés, comment on les nomme. Et ensuite, nous allons jeter un coup d'œil sur la classification de ces livres selon la tradition rabbinique. Il est très important de savoir comment la Bible hébraïque s'organise, de connaître l'ordre, ainsi que les noms de chaque livre en hébreu. Entrons maintenant dans cette première partie. Commençons par le premier livre de la Bible, Genèse, qui s'appelle Bereshit. Littéralement, on traduit Bereshit par « dans le commencement » ou « au commencement ». Le deuxième livre de la Bible s'appelle Shemot ou Exode. Le terme Shem veut dire « nom ». Shemot, c'est son pluriel. Le troisième livre de la Bible, Vaïkra, on le connaît par Lévitique. Vaïkra, c'est un dérivé du verbe kara, traduit tout simplement par « et il appela ». Le quatrième livre de la Bible s'appelle Bamidbar, connu par Nombre, mais traduit littéralement par « dans le désert ». Le cinquième livre de la Bible se nomme Devarim, traduit par « parole » au pluriel, et ça correspond au livre de Deutéronome. Vient maintenant le sixième livre de la Bible hébraïque qui correspond à Josué et il s'appelle Yehoshua, traduit par Yah et Salut. Ensuite, nous avons le livre des juges qui s'appelle Shoftim. Le huitième livre de la Bible s'appelle Shemuel, connu par Samuel. Les livres de Samuel, nous avons déjà évoqué le terme Shem qui veut dire nom. Là, cette fois-ci, c'est Shemuel. Son nom est El. Le neuvième livre dans la Bible hébraïque s'appelle Melachim qui veut dire les rois. Ce livre comprend le premier et le second livre des rois. Le dixième livre s'appelle Yeshayahu. Yahou sauve. On a donc le même racine avec Yehoshua, Josué, et Yeshayahu, Isaïe ou Esaïe. Le livre suivant, Irmeyahu, qui veut dire Yahou élèvera, ou Dieu va rehausser. Le prochain livre, Yerzekel, où elle va fortifier. Remarquez le nom de Dieu qui change tout le temps, El, Yah, Yahou. Maintenant, le 13e livre de la Bible s'appelle Hoshea, ou Osée, traduit par « sauve » ou « salut ». Ensuite, le livre de Yoël, connu par Joël. Ici, la lettre « yod » est considérée comme « L ». Le prochain livre, le livre d'Amos, signifie « charge » ou « fardeau ». Après, on a le livre « Ovadia », connu par Abdias, celui qui sert Yah. Le prochain livre se nomme « Yona », connu par Jonas, et qui représente la colombe. Le livre suivant s'appelle Micaïa, qui est comme Yah. C'est le livre de Miché. Le livre suivant s'appelle Nahum, connu par Nahum, et qui veut dire consolateur. Le prochain livre s'appelle Havakuk. C'est le livre d'Habakuk, et qui signifie étreinte ou lutte. Le livre suivant, c'est le livre de Tsefania, connu sous le nom de Sophonie, et qui veut dire « Yah a caché » ou « conservé ». Prochain livre, Haggai, connu par Agé, qui veut dire « mes fêtes ».
Le livre suivant, c'est le livre de Zécharia, ou bien le livre de Zacharie, signifie « Yah s'est souvenu ». Le prochain livre s'appelle Malachi, c'est le livre de Malachi, et qui signifie « Mon messager ». Le livre suivant, c'est le livre des psaumes, qui s'appelle « Tehillim » en hébreu, et qui veut dire « Louange ». Le prochain livre, c'est le livre des proverbes. En hébreu, ça s'appelle « Mishlei », qui peut signifier aussi « Parabole ». Le livre suivant, c'est le livre « Yov », c'est le livre de Job, et qui peut signifier « Ennemi » ou « Hostilité ». Le livre suivant, le livre « Shir HaShirim » ou tout simplement le livre « Cantique des Cantiques ». Maintenant, voyons le livre suivant qui s'appelle « Ruth » bien « Ruth » et qui a un double sens, soit « voir », soit « amitié ». Le 19e livre, c'est le livre des Lamentations qui s'appelle « Eka » traduit par « Comment » ou « Hélas ». Le 20e livre, c'est le « Sefer Kohelet » connu par Ecclésiaste en français et qui est traduit par prédicateur ou rassembleur. Le livre suivant s'appelle Esther, qui est traduit par le sens caché, je suis caché, ou endroit caché, ou même étoile. Le 22e livre de la Bible hébraïque, selon la tradition rabbinique, se nomme Daniel. Elle est mon juge. Ensuite, on a le livre Ezra-Néhémie qui forme un tout. Ezra, Ed, Néhémia, Yah, console. On l'appelle aussi le livre de Néhémia, Ezra 2. On a en tout 24 livres dans la Bible hébraïque et qui se termine par le livre des chroniques, Divrei HaYamim, les paroles des jours ou tout simplement les annales.